Ouais, bah, Caisse d'Épargne, j'ai été en partenariat avec eux pendant plusieurs années, ça s'est très bien passé. Est-ce que tu peux me citer spontanément un sponsor de l'équipe de France de ski? La Caisse d'Épargne. Ça a toujours été un grand plaisir de travailler avec eux. C'est plus que, comment dire, des moyens financiers ou un soutien financier, c'est avant tout un accompagnement global sur de l'animation, sur du développement, sur des jeunes, sur des programmes de jeunes. Donc tout ça, eh bien, on le trouve avec la Caisse d'Épargne. J'avais dit récemment, en présence de tous les patrons de la Caisse d'Épargne, que c'était un partenariat premium. Un partenariat qui a démarré avec la Caisse d'Épargne des Alpes, il y a maintenant 16 ans, et puis maintenant qui prend une envergure nationale et régionale dans toutes les caisses. Super sympa, première descente en slalom en fait. Ça fait une heure que je sais faire du ski. Donc bah, bonne expérience, très bonne expérience même. Je me suis bien amusé, c'était cool. Très cool. Même passer entre des portes, c'est la première fois. Ce sera à refaire. Au triplé gagnant, côté le dessert, Cyprien Richard et Alexis Paturo. Ouais, en fait, on est nous deux, mais c'est lui qui... Ça va être la guerre, on a le même dossard avec Victor demain, attention hein. Donc, ils ont 145 points, ça se joue à 15 points près, c'est la région Rhône-Alpes. Et donc l'équipe vainqueur gagne un ensemble complet cette fois-ci, Rossignol, notre partenaire sur cette opération. Nous sommes toujours dans la bonne ambiance, la bonne humeur, la compétition, mais la convivialité. Et c'est ce qu'on a eu, donc merci mille fois. Et j'espère, parce que comme c'était le premier Ski Challenge, il y en aura sûrement un deuxième, je le sais. Et donc je vous dis à l'année prochaine. Merci encore à vous pour le retour.